Monsieur Ponté, vous avez un communiqué. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Avant de vous annoncer le thème du jour, un thème très important qui va sûrement vous intéresser, j'aimerais qu'on reçoive ensemble un invité de la DCM. Il s'agit de Monsieur Ponté. Bonjour, Monsieur. Oui, bonjour. Et vous êtes là pour nous parler d'un communiqué de l'Ordre des Églises de Côte d'Ivoire. Oui, comme on le dit généralement, la répétition est pédagogique. Je crois qu'hier déjà, nous avons le président de l'Ordre des prophètes, le prophète Aka Georges, qui est venu lire ce communiqué. Et certainement, comme beaucoup ne l'ont pas entendu, je suis là cet après-midi pour porter à la connaissance du corps de Christ ce communiqué. Et le communiqué dit ceci. L'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire informe l'ensemble du corps de Christ que le mardi 21 juin 2011, sous la présidence de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODECI, les présidents des fédérations et associations avaient décidé de la mise en place d'une commission provisoire d'urgence ad hoc avec le bishop Cassie Célestin comme porte-parole de la dite commission et dont les missions se déclinent comme suit. Faire la situation de l'Église à l'issue de la crise post-électorale. Veiller à la protection des serviteurs de Dieu, sécuriser les fidèles et les lieux de culte, faciliter la reprise des cultes également, recenser les difficultés rencontrées sur le terrain, examiner et proposer des solutions pour la libération et le retour des serviteurs de Dieu en exil, et se doter d'un numéro vert d'urgence. Que le porte-parole devait recevoir ses instructions du collège des présidents de fédération de qui dépend la commission ad hoc et au nom et pour le compte de qui il est mis en mission afin de rendre compte à ses pairs qui n'a aucune qualité d'engager l'Église ni de parler en son nom, encore moins au nom d'une quelconque fédération autre que la sienne, c'est-à-dire la COFECI. Qui n'est ni le porte-parole de l'Église, ni le président des présidents de fédération, et n'est que le porte-parole de la commission, et non le président de cette commission, qui n'est que provisoire, et qui ne supplée ni au défunt, au conseil. Constatant que la commission ad hoc s'est détournée de sa mission pour s'adonner à l'établissement des cartes d'identité pastorale, moyennant le paiement de la somme de 12 000 francs par personne et dont la promotion se fait sur les médias et réseaux sociaux par le pasteur Makoso Camille. Que la commission, au travers du pasteur Makoso Camille, se présente aux différents pasteurs comme agissant au nom de l'État ivoirien qui l'aurait mandaté. Que suite aux plaintes incessantes des présidents de fédération, l'Ordre des Églises de Côte d'Ivoire, ODECI, a approché le directeur général des cultes ainsi que les responsables du ministère de l'Intérieur qui ont affirmé n'avoir mandaté aucun pasteur ou organe pour le recensement et la confection des cartes d'identité pastorale, sans oublier de fustiger l'utilisation des armoiries de l'État à des fins privées. Je continue, j'ai... Oui, on va finir rapidement. Allons-y. Oui. Afin de mettre fin à une telle imposture, les présidents de fédération ont décidé de la dissolution de la commission provisoire d'urgence ad hoc. Et cette dissolution a été prononcée le 1er octobre 2013 par le prophète Ablé Guy, président de l'Ordre des Églises de Côte d'Ivoire, et rendue publique par voie de presse. En attendant que la lumière soit faite afin de situer les responsabilités, L'Ordre des Églises de Côte d'Ivoire appelle les uns et les autres au calme, car le préjudice sera réparé par les coupables.
et rappelle par ailleurs que l'ONI, c'est-à-dire l'Office national d'identification, après concertation avec les présidents de fédération, procédera très bientôt à l'établissement des cartes d'identité pastorale et chrétienne sur tout le territoire national, cartes dites sécurisées qui seront reconnues par les ambassades et les institutions ivoiriennes. Je vous remercie. Merci à vous, M. Ponté. Donc, c'est un communiqué de l'Ordre des Églises de Côte d'Ivoire relatif au recensement des pasteurs. Tout à fait. Pour toute information, il faut composer le 05 05 45 90. C'est bien ça. Je reprends. 05 05 45 90. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Je vous en prie. Oui. On s'occupera de vous. Alors, je vous l'ai dit, très chers téléspectateurs, nous avons un thème très important aujourd'hui que nous allons essayer de décortiquer entre griffes. En prélude donc à la fête des défunts célébrée le samedi prochain, nous avons décidé d'aborder un thème dont on ne parle pas souvent, qui pourrait même paraître tabou, mais pourtant nous serons tous confrontés un jour ou l'autre à cette réalité. La perte, de l'un des êtres les plus chers qu'on puisse avoir, un parent. Perdre son père ou sa mère, comment faire face au deuil, à la douleur, au vide et à l'absence. Nous en parlerons donc aujourd'hui avec bien évidemment le docteur Brou. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Bienvenue. Ça va, merci. Nous aurons également sur ce plateau Miss Conan, déjà installée. Bonjour. Bonjour Miss Amani. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien, merci. Je sais que vous sortez de maladie, c'était pas évident. Je ne pouvais pas vous laisser. Dans quelques instants, nous serons en compagnie également de Miss Brou, qui apportera donc sa pierre à l'édifice. Docteur, avant de commencer, je l'ai dit, c'est un thème très important. On ne parle pas souvent de la façon dont on doit gérer la perte d'un parent. Si on est en Afrique, ce n'est pas vraiment verbalisé tout ça. Oui, je pense que c'est un sujet assez important parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, tôt ou tard, on sera confronté, ou une personne qu'on connaît sera confrontée à cette situation qui malheureusement a beaucoup de conséquences, j'allais dire terribles pour nous. Donc, il est important que nous abordions ce genre de sujet. Je sais que ça traumatise quand on parle de problèmes de mort, mais je pense que après le décès de quelqu'un, il y a des personnes qui sont en vie et qui doivent vivre. Mmh. Ce sont des gens qu'il faut aider à vivre le décès, qui fait partie, bien heureusement, malheureusement, de par la volonté de Dieu, de notre vie, j'allais dire. Très bien. Miss Conan. La mort, si je peux le dire ainsi, est une étape de la vie. On ne peut pas parler de vie sans parler de cette absence, de cette disparition qui fait très souvent énormément mal, surtout quand c'est des personnes, donc nos parents, des personnes qui nous ont éduqués, des personnes qui sont des modèles, des personnes avec qui nous avons vécu très longtemps, qui nous ont permis d'être aujourd'hui dans la vie quotidienne. Très souvent, ce n'est pas forcément des parents biologiques. Souvent, c'est des gens qui nous ont éduqués. Il y a des gens qui ont quitté le village à 4-5 ans et qui se sont retrouvés dans la tourmente de la ville pendant près de 20-25 ans et qui ont eu des parents qui les ont portés. Et ça fait très mal de perdre ces êtres-là. Très bien. Le thème donc est affiché sur votre écran, se retrouver orphelin. On va dans quelques instants rajouter le numéro de téléphone parce que vous pourrez participer à cette émission, donc 22 40 12 54. Et si vous appelez de l'étranger, vous pourrez faire tout simplement précéder ce numéro de l'indicatif plus 225. On va passer au premier sous-thème de l'émission. Docteur, il y a différents cas de figure. Alors, les différents cas de figure sont souvent dus à l'âge, par rapport à l'âge de l'enfant qui perd un parent. Il est évident que quand vous perdez votre parent, enfant ou adolescent, donc en plein dans les études, ça n'a pas la même signification que quand vous perdez un parent à l'âge adulte où vous travaillez, vous-même vous êtes, j'allais dire, responsable. C'est vrai que quand on a un certain âge avancé, par exemple à 45-50 ans, qu'on est dans la vie active, qu'on a un minimum, quelquefois le parent étant très âgé, sa mort est certes douloureuse, mais parfois à cause de la souffrance, est considérée comme même une sorte de fête, parce que le patriarche est parti. On a pu profiter de lui, de son expérience. Absolument, et les enfants ont une certaine situation. Alors, les situations les plus difficiles,
sont les situations où souvent l'enfant est en pleine adolescence. Donc il va à l'école. Il peut être à l'école primaire, il peut être au collège, il peut être étudiant. Et il se trouve que le père est un soutien incontestable. Il a les moyens, il les met à l'école. Et puis brutalement, suite d'un accident, suite d'une maladie quelconque, on perd la personne. La douleur est beaucoup plus profonde parce que cela remet en difficulté l'avenir même de ces enfants. Alors la question va se poser, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Sa jeune veuve, parce qu'il peut avoir, ça s'appelle le père ou la mère, qu'est-ce que c'est le partenaire qui reste va devenir? Donc ça nous met dans une situation de réorganisation même de la vie. Donc, si on doit perdre un parent, il y a un souhait, parce que de toute façon, comme Carole l'a dit, ça fait partie du processus de la vie de tous les jours. Il est évident que la mort fait partie de la vie, on va mourir. Mais quand on met à âge avancé et que les enfants ont une certaine situation, je pense que c'est le cas de figure le plus souhaitable s'il y a un souhait à adopter. Bien sûr, moi je pense, ajouter à ce que Dr Bourg vient de dire, que perdre son enfant, perdre son père ou sa mère quand on est très jeune, c'est vrai qu'il y a une différence entre cette situation et perdre son parent quand on a un âge un peu plus avancé. Très bien, parce que l'on va prendre l'appel qui nous vient de Marc-Aurie, Mademoiselle Prudence. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonjour Mademoiselle Prudence, merci de nous rejoindre, on vous écoute. En fait, on appelait juste pour participer à l'émission. Merci, vous y êtes. Parce que on a été aussi victime de ce cas-là. Nous sommes deux filles et deux garçons, on a perdu notre mère très jeune. Et puis bon, c'est pas du tout facile, quoi. Du coup, le père est devenu en même temps la mère. Il a essayé de nous épauler et faire les deux choses à la fois. Bon, ça n'a vraiment pas été facile pour nous de traverser l'étape là. Merci beaucoup pour votre appel et votre témoignage. Et puis beaucoup de courage à vous. Merci. Je pense surtout aussi que cette différence-là, on peut la remarquer à plusieurs niveaux. Il y a la dame qui vient d'appeler qui parle de la mère qu'on perd ou du père qu'on perd. Je veux dire, de toutes les façons, on se retrouve tous dans une situation où la perte d'un être cher devient une sorte de fardeau, autant comme Dr Brou l'a dit, pour l'épouse. Quand c'est son époux qui décède, donc elle se retrouve avec des enfants à charge ou éventuellement elle-même, il faut qu'elle gère certaines choses, surtout quand le monsieur n'a pas laissé grand-chose. Parce que la plupart du temps, en Afrique en tout cas, on se retrouve face à cela. La mort nous surprend, donc le monsieur part et il n'a pas vraiment préparé beaucoup de choses pour le cas où il n'est pas là. Tout à fait. Miss Brou, bonjour. Bonjour. Qu'on n'a pas encore entendu depuis le début de cette émission. Alors, on parle des différents cas de figure, on a parlé bien sûr des enfants, on a parlé des adolescents, le docteur m'a même parlé des adultes. Donc, comme on l'a dit, il y a différents cas de figure. Le cas le plus fréquent, comme il a eu à le souligner, c'est que les parents ont un certain âge, donc les enfants sont un peu plus grands, ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins. La perte, elle est claire, elle est réelle, mais elle est moins dure que pour un enfant qui serait en bas âge. Et il y a également le cas de figure le moins souhaitable, c'est clair que la mort n'est pas souhaitable, mais le cas de figure où l'enfant est jeune, où le couple même peut-être vient de se former il n'y a pas longtemps, 2, 3, 4, 5 ans, et l'un des deux s'en va. Donc c'est un traumatisme, et pour le conjoint, c'est un traumatisme surtout pour l'enfant. Et le conjoint qui est resté doit faire face à deux situations, soulager sa peine, pouvoir passer le cap du deuil, mais aussi pouvoir aider son enfant à surmonter ce deuil. On va passer donc à la seconde partie, la vie quotidienne, un peu anticipée par M. Lukou Kofi Toussaint aux commandes de cette émission. Bien avant, on va prendre un appel de Libreville. M. Soumaoro, allô? Bon, je vous écoute bien. Je disais, hein. On vous écoute, M. Soumaoro. Vraiment, je suis dans un foyer aussi où je suis vraiment, vraiment malentendu entre moi et mon épouse. Il n'y a rien qui rentre, alors il y a les enfants. Où je suis là-même, je suis sur le point du divorce.
Vraiment, je me reposais tout à l'heure, là, vraiment, si vous pouvez me trouver sur l'émission, là, vraiment, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez me donner. J'ai vraiment trois enfants entre nous. Il y a une qui est mariée ici à Libreville. Mm-hmm. Vraiment, je voudrais que vous me trouviez des conseils, ça m'intéresserait beaucoup, vraiment. D'accord. Merci, M. Soumarou. Beaucoup de courage. Je pense qu'on va sortir quelque peu du cadre de l'émission. Enfin, comme le docteur dit, il faut connaître les... Oui, je souhaite qu'on reste dans l'émission. Je proposerai à M. Soumarou, je crois que les numéros vont défiler en fin d'émission, il pourrait nous appeler pour qu'on en parle, pour ne pas sortir de l'émission. Alors, il s'agit aujourd'hui de parler des situations des enfants orphelins. Alors, la vie quotidienne, elle est difficile en fonction des cas de figure, bien évidemment, comme on l'a développé. Le plus difficile, c'est quand les enfants sont jeunes. Ils sont jeunes, adolescents. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Ils sont soit en pleine formation, en pleine étude. Le soutien, c'est le père. Donc, ils vont perdre quelqu'un. Il y a la souffrance due au manque d'affection. Parce que ce que le père biologique donne, il est évident que ça va être difficile de trouver ça ailleurs. C'est bien évidemment difficile. Donc, on va être obligé de faire face au défi de l'affection, qui n'est pas évident à relever. Donc, quand l'autre partenaire qui reste est même dans les profondeurs, il est évident que ça va être très difficile d'aider les enfants. Alors, docteur, j'aimerais vous poser une question par rapport aux enfants, toujours par rapport à l'âge. On dit que l'âge de raison, c'est 7 ans, mais avant 7 ans, malheureusement, quand un parent décède, l'enfant comprend que ce parent n'est plus. Le papa n'est pas là. Mm-hmm. Est-ce qu'il dans sa tête, il imagine, il définit vraiment ce que c'est que la mort? Oui, avant 7 ans. C'est vrai qu'il y a les enfants précoces, qui déjà même à 3 ans, déjà parlent de mort sans savoir exactement ce que ça veut dire, mais en général, ils savent que le papa n'est plus là. Où la maman n'est plus, enfin le parent, celui qui est décédé n'est plus là. Très bien. Madame Adou nous appelle d'Abengourou. Bonjour, madame. Oui. Bonjour, madame. Merci de nous rejoindre. Oui, oui. Bon, en fait, je suis madame Adou. J'ai vu cette situation aussi. J'ai perdu mon mari, il n'y a pas d'enfant. Et vraiment, c'est la même chose. Mes enfants sont en bas âge et moi aussi. Donc, je voudrais que vous donniez des conseils vraiment pour pouvoir surmonter. Là, c'est pas facile, c'est terrible. C'est pas une situation à souhaiter à son ennemi même. Yako, vraiment. Mm-hmm. Mais c'est à notre écoute, je pense que le docteur est en train de le développer. Oui, donc. Merci. L'enfant, tôt ou tard, va le savoir. En général, on dit non, il ne faut pas lui dire, mais nous, on conseille. On a tendance à dire que le père est en voyage. Oui, mais ce n'est pas la bonne méthode, parce que moi-même, j'ai vécu des situations terribles. On a voulu faire croire à l'enfant que la maman était en voyage, mais tôt ou tard, il va l'apprendre. Donc, il faut trouver peut-être des moyens avec des personnes expérimentées pour essayer d'expliquer en des langages plus appropriés, que le papa n'est plus là. Et puis bon, avec le temps, certainement, ça va se régler. Alors, revenons à la vie quotidienne, c'est une vie extrêmement éprouvante. Je pense que la dame vient d'appeler d'Abengourou. C'est une vie difficile. Donc, je le disais, on va faire face à l'aspect affectif, qui est déjà un défi à relever. Mais il y a aussi l'aspect matériel. Au quotidien, nous allons vivre. Souvent, je vais à l'école, je perds mon père. Mon école est en Poitiers. Il y a pas mal de jeunes gens brillants à l'école qui ont dû stopper simplement parce que le papa est parti. Et comme l'autre, je ne sais pas si c'est Carole qui l'a dit, n'a pas laissé grand-chose. Donc l'école est en difficulté. Quelquefois même, dès que vous perdez votre parent, il y a quelques familles où les gens sont encore humains, mais on vous rejette. J'ai connu des familles où, quand le père est décédé, on dit à la maman, prends tes enfants, et puis il faut aller chez vous. Ce sont tes enfants, il faut les prendre et puis rejoindre ta famille. Ou à la limite, on prend les enfants et il faut partir. Et quelquefois, ça, la pauvre femme qui se retrouve avec les enfants parfois, n'a aucun soutien. Ça dépend des cultures également, la femme est obligée de se remarier dans la même famille. Voilà, quelquefois, ça c'est... j'ai oublié un peu le nom, mais... Le vira, voilà, merci beaucoup. Donc, les cas de figure font que... C'est la souffrance. Il y a encore un cas de figure que j'aimerais qu'on aborde. Mais ce qu'on a dit, souvent le père part sans laisser grand-chose. Souvent, il laisse même des biens. Mais la culture fait que la famille s'approprie, tout ça se partage au détriment des orphelins et de la veuve. Oui, c'est tellement que les autres vont dire quelque chose. Mais à ce sujet, je pense que nous n'avons pas rejeté totalement nos cultures africaines ou ivoiriennes. Mais les pans qui ne sont pas, je pense, souhaitables, il est bon de les dénoncer. J'ai toujours dit... Madame Touré nous appelle de Yopougon. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Merci de nous appeler. Les
Moi, j'ai vécu ça comme ça il n'y a pas 6 mois. Mmh. On a perdu notre mère une semaine après. Le vieux dit qu'il va se remarier. Bon, on était, je ne sais pas, la dernière a dit. Je ne sais pas si ça, là, vraiment, ça me... Quand je pense à ça, ça me fatigue. Oui, tout à fait. On peut comprendre tout à fait. Merci Madame Touré, le docteur. Alors, donc, pour terminer rapidement, c'est de dire que c'est une situation des plus dramatiques, malheureusement, chez nous. Au nom de la coutume, quelqu'un fait ses enfants, il s'efforce à avoir quelques réalisations, et puis ses enfants sont privés de tout. J'aurais bien voulu que même si, au nom de la tradition, c'est un neveu ou un cousin qui doit hériter, qu'on accorde un minimum de moyens à la descendante de ce monsieur. En général, c'est quand les hommes décèdent que ça arrive, pour permettre à ces enfants-là de vivre dans un minimum de conditions acceptables. Et surtout, pour ajouter à ce que vous êtes en train de dire en mémoire de lui, vous aimez votre frère qui n'est plus là. C'est ce qu'il vous a laissé à vous, ce n'est pas ses biens. Ces biens-là sont corruptibles. Absolument. Ce qu'il vous a laissé, c'est des enfants. C'est sa descendance. Voilà, c'est chaque fois que vous allez voir une petite fille, la fille ou le fils de votre frère, c'est lui que vous voyez en cet enfant-là. Donc, je pense que la moindre des choses pour lui rendre hommage à votre frère, c'est d'utiliser les biens qu'il a laissés, parce que ce n'est pas vos biens, c'est les biens qu'il a laissés pour pouvoir continuer à s'occuper au moins des enfants. Miss Wu, pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, malheureusement, en Afrique, je peux peut-être prendre le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est plus l'intérêt personnel qui prime. Donc peut-être qu'on avait des vues sur les biens du défunt. Tout à fait, Miss Wu, on va en parler juste après cet appel de M. Seydou qui nous appelle de San Pedro. Bonjour, monsieur. Et bonjour. Monsieur Seydou, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est fait. Très bien, on vous écoute, M. Seydou. Bon, les enfants, quand les parents ne disent plus, ou même s'ils les tiennent de leurs enfants, ou gardent-ils les biens, sans garder des biens pour leurs enfants. Oui. Bon, dans des familles comme ça, les parents sont des billardaires. Mais... Monsieur Seydou est parti. Alors, Miss Brou était en train de parler. Donc, pour continuer, on se retrouve avec des personnes qui avaient des vues sur les biens du défunt. Et dès que ça arrive, le lendemain ou peut-être quelques jours après, on voit la maison se faire remplir et les affaires se faire emporter. C'est dommage. Mais je pense que même en 2013, ça continue, sous une autre manière, de façon déguisée. Mais la femme, quand c'est le cas de la femme, elle se retrouve dépossédée. Et moi, je pense que pour les parents que nous sommes et que nous sommes amenés à être, il est important, pour pouvoir permettre à nos enfants, au cas où ça arrive, d'avoir des dispositifs bancaires, peut-être, qui leur permettent, comme l'épargne, de pouvoir avoir au moins une garantie au cas où l'un des conjoints décède. D'accord. On a un appel du Congo Brazza, c'est Monsieur Nobi. Allô? Oui, Nobi, Abba. Allô? Bonjour, Eva. Bonjour, allô. Monsieur. Allô? Oui, Monsieur Brazza. Oui, on vous écoute. Le question, oui, je vous regarde en direct, la question m'a plu beaucoup. Oui. Je vais intervenir. Oui, on vous écoute. Mais après de le mari, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand tu perds ton mari avec les enfants, reste dans ta mère, ce que c'est pas assez grave. Tout à fait. Mais une fois que tu donnes ton cœur à Dieu, tout se passe rapidement. Mais si tu vas mettre sur le cœur, tu vas faire trop du mal à les gens. Moi, je préfère... Les gens qui perdent le mari, les enfants restent dans l'air, mais ils donnent son cœur à Dieu pour que tout va bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Eva, si tu permets. Merci de nous avoir appelés. Très bonne journée à vous. Oui, Miss Colon. Concernant la vie quotidienne, moi, je voudrais vraiment traîner un peu les pas encore sur la douleur des conjoints. Parce que ces deux personnes qui ont vécu ensemble un certain nombre d'années, on a commencé par dire 2-5 ans,
comme Miss Bro a commencé, pour parler un peu de la fraîcheur, voilà, de la relation. Mais il y a des gens qui ont vécu 20, 25 ans ensemble, qui se sont habitués à être ensemble, qui ont tout fait ensemble, qui ont tout été ensemble. Et lorsqu'il y a une des personnes qui décède, parce que j'ai l'impression que quand on parle de perdre quelqu'un dans le couple, très souvent en Afrique, on voit le monsieur qui décède et qui laisse son épouse désabusée, sans rien et tout. Alors qu'il y a des femmes, bon, c'est vrai, c'est le cas le plus fréquent, alors qu'il y a des messieurs qui ont perdu leurs épouses et qui sont retrouvés tout autant désabusés. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes... le même pouvoir, eux, ils ont leur... c'est des hommes qui sont forts, donc on ne peut pas venir leur mettre la pression du Lévira et toutes ces choses-là. Ils ont la famille, ils ont tout un autre soutien par rapport, même aux enfants. Le monsieur est de retour, il y a 2-3 enfants, il y a une cousine qui vient s'en occuper. Alors que ce n'est pas la même chose pour la femme qui se retrouve avec ses enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Et revenir aussi sur l'absence, donc comme je disais tout à l'heure, l'absence du conjoint qui n'est plus là, avec lequel on ne peut plus bâtir, on ne peut plus fonder, on ne peut plus continuer en fait à bâtir cette relation, cette famille, à s'occuper des enfants, à leur donner de nouvelles directives. On se retrouve seul, en pleurs, sans personne pour nous consoler très souvent. Très bien. Monsieur Salou nous appelle de Dalois. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Salou, bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. C'est ça. Je viens de rappeler mon service. Et je viens de prendre l'émission en marche. Et vraiment, votre émission m'intéresse beaucoup. Allô? Oui. Donc, puisque j'ai été victime de ça, oui. Voilà pourquoi je vais participer. On vous écoute. Vous savez, ça fait très malin, oui, ce que vous dites. Aujourd'hui, je viens de finir de manger, mais je n'ai pas pu bien manger à cause de ce que vous parlez, parce que j'ai traversé les mêmes problèmes. C'est-à-dire, quand ton père meurt et que tu ne sais pas ce qu'il faut compter, et que ses frères sont là, directement, on vous fait comprendre que votre maman doit s'occuper de vous, ils ne sont pas prêts pour vous, vraiment, c'est très difficile. Et ce qui fait que je suis resté tout petit, abandonner les roues, pour pouvoir s'occuper d'abord de ma maman et ensuite de mes petites soeurs. J'étais très petit. Et là, j'ai choisi le chemin de la boulangerie. Et j'étais même balayé, rien que pour s'occuper de ma maman, parce que je ne voulais pas voir souffrir ma maman. Et quand mon père est décédé, j'ai dit à mes parents, quelqu'un qui veut s'attaquer à ma maman, que ce soit du comportement ou même pour le métier, la personne doit marcher d'abord sur le corps avant de toucher ma mère. Vous êtes femme, hein? Mettre un enfant au monde, vous savez ce qu'il sait. Mais cet enfant, quel que soit son âge, quand il voit aussi sa mère souffrir, en tout cas, ça doit lui faire mal. Donc, j'ai décidé tout petit, abandonner tout, m'occuper de ma mère. C'est vrai, aujourd'hui, je ne me plains pas, hein. Grâce à Dieu, ça va chez moi, mais votre émission m'a fait vraiment rappeler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont été dites. Et des traitements inacceptables, aujourd'hui, qui m'a rendu... Je lui dis merci parce que... Ça vous a rendu plus fort. Un brigand ou bien un voleur. Et j'étais abandonné. Je ne savais pas où regarder. Je ne sais pas où aller. Mais par la grâce de Dieu, avec la bénédiction de mes parents, j'ai pu tenir, j'ai pu surmonter. Aujourd'hui, j'ai fondé ma famille. J'ai mes soeurs qui sont mariées. Et que j'ai vu même avec mes enfants. Même où je vous dis là, j'ai ma femme qui est à côté de moi et mes enfants. Vraiment, je vous remercie.